Je suis le colonel-major Yoboué Kwaku à la retraite, député suppléant de l'honorable Maurice Kakou Guikaouye, député de Gagnoua sous-préfecture. Je suis tombé des nues en apprenant l'information. J'en tremble encore d'effroi et d'inquiétude pour mon pays, la Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il? Au cours d'une cérémonie des grains du RHDP organisée au palais du carnaval de Bouaké et diffusée au journal de 20h de la RTI du 16 novembre 2019, le ministre Amadou Koné a présenté un individu comme étant le suppléant du député Maurice Kakou Guikaouye de la sous-préfecture de Gagnoua et par ailleurs chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, sans citer le nom de ses suppléants et présentant un jeune homme, sans le minimiser, qui n'est pas moi. Je dénonce avec force et dernière énergie cette façon de manipuler l'information à l'endroit des populations. Je suis natif de Gagnoua et ressortissant de par mon père du village d'Afotobo, dans le département de Béoumi, région du Gbeke, mais je n'ai jamais participé à une quelconque cérémonie politique dans la région, encore moins à une cérémonie du RHDP. Même si je devais trahir mon parti pour militer au RHDP, je n'aurais pas choisi Bouaké, puisque je suis un élu de Gagnoua. J'aurais préféré militer au RHDP de Gagnoua pour que cela ait plus de poids. Désolé, je ne mange pas de ce pain de la trahison. Je suis PDCI-RDA, PDCI-RDA, je reste.